Eh ben bonjour à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, c'est une petite vidéo annonce. Donc en tout cas, je sais que cette image peut faire peur. Donc est-ce que vous voulez qu'on ressorte cette image? Hein, franchement, je sais pas. Donc sur cette image, donc en fait, c'est pour vous informer. Ouais, on va essayer de changer d'image. Celle-là, elle est comment? Ouais, ça fait encore un peu flipper. Hein, ouais, c'est en même temps, quelle image fait pas flipper, hein, j'ai envie de dire, c'est Dying Light. Hein, c'est un jeu de survival horror avec des petits zombards. J'aimerais bien trouver une image convenable quand même, hein, parce que pour vous faire montrer un peu, bon, pour vous parler aussi rapidement de quelque chose. Voilà, alors on va choisir cette image. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est comment? C'est là, c'est là. Agrandir. Comment on fait pour agrandir? C'est ça? Ajouter. Ah non, c'est pas ça. Non, 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 non. Ok. Bon, écoutez. Bon, on se teste. En tout cas, vous aurez toutes les images comme ça. Il n'y a pas de chichi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous avez même les images d'en bas là. Dying Light, Good Light, Good Night, Good Luck. Donc, très très bien. Donc, écoutez, je fais cette petite vidéo pour vous annoncer que j'avais, il y a plusieurs mois en arrière, commencé mon let's play sur Dying Light. Et il y avait la dernière mise à jour 1.49, le dernier patch, la dernière mise à jour 1.49. Et depuis ce moment-là, mon jeu se lançait en anglais alors que j'avais mis français. Le jeu crachait, le jeu retournait au bureau. Le jeu se mettait en écran fenêtré à sa guise, à n'importe quel moment, alors que j'avais mis plein écran. Et l'intro se... Non mais parce que ça me marque, c'est vachement pertinent à souligner. C'est pour ça que je souligne une deuxième fois. C'est parce que la langue, alors que j'avais mis français, eh ben se mettait en anglais. Donc je me suis dit au bout d'un moment, mais j'ai réfléchi dans ma tête, je me suis dit bon, what the hell? Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai essayé pendant depuis que j'ai fait mes direct live, enfin depuis que j'ai fait de mon let's play il y a plusieurs mois. J'ai cherché plein de trucs. Vous pouvez pas à quel point j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai tellement cherché j'ai fini par trouver. C'est pas nickel ça, j'ai fini par trouver. Donc apparemment, donc là je vous dis. Les aventures de Dying Light sur ma chaîne vont reprendre. C'est une petite annonce que je fais. Les aventures de mon Let's Play sur Dying Light vont reprendre. Mais ce ne sera pas commenté. Ce sera un Let's Play no commentary. Parce que je me suis aperçu que quand je ne branche pas mon micro, par magie, ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai essayé deux fois et ça fonctionne. Je n'ai pas eu de problème. Pas de retour au bureau. Pas de langue, quoi que ce soit. Pas de crash. Pas de... Vous voyez? Pas de problème, aucun problème. Donc, en fait, je vais faire cette aventure parce que moi, ça fait 10 ans que j'attends d'y jouer. Enfin, 10 ans, je me rappelle plus quand le jeu est sorti, peut-être en 2014, 2015. Bref, je me rappelle plus. Mais en tout cas, depuis qu'il est sorti, depuis que Dying Light est sorti, j'attends de faire ce jeu. À ce moment-là, je devais faire d'autres choses à côté, etc. J'étais pris par autre chose. Et donc, je pouvais pas le faire. Tout comme plein de jeux sur ma chaîne que je pouvais pas faire. Comme, voilà. Comme plein de jeux sur ma chaîne, je vais pas dire les noms parce que voilà, ça va agrandir la vidéo pour rien. Donc comme plein de jeux sur ma chaîne, je pouvais pas les faire parce qu'à ce moment-là j'étais sur d'autres trucs. Et là j'ai l'occasion de le faire, donc je vais en profiter. Je vais pas me, je vous dis, je vais pas me retenir du tout, hein, pour vous dire que je vais pas me retenir, hein. C'est l'éclat total, je vais pas me retenir. Donc apparemment ça a l'air de marcher quand je branche pas mon micro. Donc je me suis dit. Mais qu'est-ce que c'est ce pitch? Qu'est-ce que c'est ce pitch? Qu'est-ce que c'est ces problèmes que quand on broche un micro, le jeu refuse de se faire capturer? Ou par moment il se capture 10 minutes, et j'ai eu de la chance de faire mes deux épisodes d'ailleurs de 1 heure, même le premier 2 heures et le deuxième de 1 heure. Et j'ai de la chance, je sais pas par quelle. Par quelle magie, hein, par quelle magie céleste, quelle magie. Alors on sait pas, peut-être la magie de. Voilà. Hein? La magie du démon, peut-être, j'en sais rien. Ou la magie. Ouais, non, plutôt la magie de Merlin, la magie lumineuse, vous voyez, la magie. Ouais, parce que quand même ça a marché, donc non. Donc je retire le démon, en plus c'est nul à chier. Donc, à partir de maintenant,
Sur ma chaîne, il va y avoir mon let's play de Dying Light, mais ce sera en no commentary. Et je vous dis que ça va fuser, je vais accélérer, ça va être une aventure rapide, fournie, efficace, sans chichi, sans tiépi. Il n'y aura pas de soucis, je l'espère en tout cas, du côté de mon enregistrement de ces vidéos. Et ça va tracer dans l'aventure. Donc je vais me dépêcher, je vais accélérer, parce que j'ai déjà joué au jeu quelques heures. Donc maintenant je connais les quelques ficelles. Je connais pas tout le jeu, hein. Je connais quelques ficelles, etc. Donc le début va bien commencer, va être rapide. Et je vais faire des indications quand je... Parce que je jouerai sans commentaire. Donc en fait, avec mon personnage, je vais jouer avec mon personnage. Vous voyez, il va y avoir un jeu d'acting, si je puis me permettre, un jeu d'acting de mon personnage de Crane, de Monsieur Crane, de ce Crane, voilà, de cet agent ce Crane, voilà, pour faire le jeu de mots, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est pour ça que bon bah, je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer que le let's play va reprendre et j'espère que cette fois va durer, que c'est pas une galère, que ça va me laisser la possibilité de faire 2-3 épisodes et puis qu'au bout d'un moment ça va s'arrêter parce que là je casse tout, je vous préviens. Donc écoutez, pour l'instant ça a l'air de marcher, j'ai fonctionné, j'ai essayé, j'ai fonctionné, oui, moi j'ai fonctionné, mais en tout cas quand j'ai fonctionné, quand moi j'ai fonctionné, j'ai essayé 2 fois de lancer le jeu et apparemment ça a marché. Donc regardez tous cette petite annonce, c'est très important, ça vous annonce plein de trucs et ça vous annonce que le Let's Play de Dying Light va revenir sur ma chaîne, mais cette fois-ci ce sera en no commentary parce que quand je branche mon micro, ça ne marche pas, hein? Drôle d'idée, hein? Alors pourquoi quand on branche un micro, ben ça marche pas, hein? Alors ben ça je comprends pas, donc écoutez, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, ça marche comme ça. Donc moi, je vais le faire. Je vais faire ce let's play, no commentary. Et j'espère que ça vous plaira, mais ça va être animé. Ça va être très animé. Je vais l'animer, ce let's play, no commentary. Avec certaines actions de mon personnage, certaines façons de regarder, certaines choses, certaines... Voilà. Il va y avoir plein de trucs au fur et à mesure des épisodes. Voilà. Donc suivez mes aventures de Dying Light. Requisition. Je sais pas pourquoi, mais je dis n'importe quoi. Certainement à cause de mon micro que quand je branche mon micro, parce que ça, mon cerveau n'a toujours pas, enfin n'a toujours pas, ne s'y est toujours pas fait. Je sais pas pourquoi. Mon cerveau, ça veut pas rentrer. Quand je branche le micro, ça ne peut pas capturer pour faire le jeu avec ma voix, etc. Donc. Moi, ça me dit super bien de le faire en no commentary. C'est un jeu, de toute façon, j'hésitais. Donc, tant mieux comme ça, pas d'hésitation. Ce sera un let's play commentary. Et ça va être bien animé, ça va être bien fait. Vous allez voir, ça va être rempli d'action. Donc, je vous invite fortement à écouter cette vidéo. Et je vous invite fortement à suivre mon let's play no commentary sur Dying Light. Et c'est parti, on va se laisser là tout le monde. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de vos animaux de compagnie. Et tout ce qui s'ensuit, et tout est Kunti, et même du manège de Pollux. Voilà tout le monde. Ben écoutez, ben on se laisse là. C'était des petites explications de Draco. Et donc là, on va repartir pour de nouvelles aventures sur Dying Light, de mon Let's Play, de Commentary. Les nouvelles aventures vont arriver. Ça va arriver très vite. Et il y aura plein de choses. Il n'y aura pas que du Dying Light. Il y aura plein de jeux. Il y aura plein de trucs. Plein de trucs marrants. Plein de trucs divertissants. Ça va péter. Ça va y aller. Ça va donner. Ça va crépiter dans tous les sens. Ça va être un vrai feu d'artifice. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Un feu d'artifice du tonnerre. Donc je vous invite à... Je vous invite fortement à regarder et à suivre mes aventures, ça va être super cool. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à être locatif et à être loquace dans les commentaires. Hein. Et ben j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi ça me plaît, moi je le fais illico presto, ça va partir d'ici très peu de temps. Et donc je vous invite à suivre mes aventures. À rejoindre mes aventures sur Dying Light, nos commentaires. Let's go, c'est parti tout le monde. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut tout le monde! Let's go!